par rapport à l'examen que tu fais avec lui. Ça marche. Toi, ceinture bleue, aujourd'hui, franchement, il y a eu un énorme progrès. Okay? Ça, ça fait partie du jiu-jitsu, on pense que technique, mais aussi la confiance, le contrôle. La première fois, il y a un peu de blanc. Ce soir, il a fait vraiment nickel. Juste, il ne m'a pas dit que c'était une faute. Il s'est trompé par rapport au crochet, j'ai dit que je t'avais demandé tout à l'heure. Oui. Le derrière-arriva. Oui. Derrière normal, c'est quand je viens depuis l'extérieur. Oui. Et comme tu as monté depuis l'intérieur, c'est derrière-arriva aussi, mais c'est derrière-arriva inverse. Mais c'est derrière-arriva. Ok, mais sinon, bien, même au niveau d'arbitrage, et comme j'ai dit, au niveau de la. Bien plus assuré, bien tranquille, il a tout fait comme il faut, nickel. Donc, il dit, je peux venir là, on avec la ceinture. Il dit, Farid. Les gars, n'oubliez pas, quand vous voulez, venez à Genève sans hésiter. Même pas besoin de demander, juste regarder les horaires. Marcel aussi est d'accord, Paulo. Madalena, il vient souvent, des fois. Et Manon, les matchs. Ah, juste une explication, les gars. Donc, vu que. Normalement, maintenant les ceintures sont changées de couleur. Avant c'était jaune, orange, vert. Maintenant il y a même la grise pour être petit. Après il y a la jaune blanche, jaune, jaune noir, orange blanche, orange, orange noir, vert noir. Donc, vu que tu es déjà au bon niveau, on va sauter une ceinture. Donc, normalement, si on suivait l'ordre, c'était jaune noir. Et là, tu vas sauter direct là, orange et blanche. Et puis normalement, l'année prochaine, tu vas déjà presque obligé de passer déjà bleu parce qu'il n'y a pas d'orange chez le junior. Tu vas avoir 15, mais tu vas avoir pas les descents, c'est comme tu as avoir 16. Ok? Donc, bravo. Avec Marcelo pour l'année prochaine, ça veut dire dès septembre, au niveau de mon travail personnel, aussi pour toute l'équipe, je vais changer un peu. À chaque deux fois par mois, je vais aller dans un club affilié à notre réseau. Soit par exemple, moi je vais choisir pour être ici et Sion, le mois d'après Saint-Genis, où je suis pour donner des cours, peut-être en France aussi, je donne à côté. Donc je vais. C'est des tournées en fonction de ça, donc on va se voir un peu plus souvent. Okay? Et chaque fois que tu me dis, je vais essayer d'amener aussi des gars Genève comme ça pour tout le monde. Cool. Ok les gars, sinon merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci de faire le son pour la visite là, le plus général, pour passer évidemment. Je vais bien vous faire aller là-bas, mais elle est venue ici. Donc ça fait plaisir aussi que tu sois là. Si je ne connais pas les robots, ce qui vient comme ça. Ah, si jamais, c'est un peu loin, c'est clair, mais si vous voulez venir à Genève un dimanche, donc tous les dimanches sauf s'il pleut, même s'il fait mauvais, mais s'il ne pleut pas, on fait un tournement au bord du lac. Donc il y a Macaron, c'est au volet, qui va amener les tatamis. On va faire un tournement, parce que moi je travaille dans la, surtout comme gardien de piscine. Quand j'ai congé, je serai là, mais quand je ne suis pas là, il y aura tous les gars de Genève qui seront là. Donc vous êtes bienvenus, après on reste au bord du lac, on peut manger tout, donc, si vous voulez. J'ai donné une idée aussi à Marcelo, peut-être pour faire ici. Parce que Gaëtan, je crois qu'il est à ta famille. Ok.
de 10h à 11h, comme ça le soleil n'est pas encore très fort, après discuter un peu, aller manger, la famille comme vous voulez. Peut-être qu'il va faire aussi au moins une fois avant la fin d'été. C'est sympa, ça fait un peu la publicité aussi pour le club. Voilà. Ok? J'en profite, parce que comme ça, ça change un peu de toujours tatami, toujours. Parce qu'en hiver, c'est pas possible. Ok les gars, donc, merci tout le monde. Merci. Faire poser, faire les membres. Merci tout le monde. Bonne soirée. Obrigado.